favori de la droite pour la prochaine élection présidentielle, pas mal pour un retraité. Ah, j'ai connu personnellement des retraités moins actifs. Ma grand-mère, par exemple, quand elle a pris sa retraite, elle s'est prise une licence au club de pétanque de la ville. C'était déjà pas mal, ça l'occupe pas mal de week-ends dans l'année, c'est vrai, mais ça reste un peu moins épuisant et moins chronophage qu'un poste de président de la République. Hein, y a que les politiques ou les sportifs qui sortent de leur retraite. Aucun tourneur-fraiseur en retraite s'est réveillé un matin et s'est dit « Eh, ça manque de faire des boulons 8 heures par jour, c'est dingue !» Faut croire que partir à la conquête du pouvoir, c'est plus cool que de faire des boulons 8 heures par jour. En même temps, c'est peut-être ça la vraie conscience professionnelle. Un Christian Jacob vous appelle pour reconstruire les Républicains. Vous avez 25 ans de maison. Si on ajoute à ça que beaucoup sont partis chez vous, hein. Certains sont partis pour rejoindre En Marche, d'autres sont partis tout seuls, sans parler de ceux qui sont partis en couille. À votre place, moi aussi, je remets le bleu de chauffe. Tu vois, il y a du travail. Mais pour tout vous dire, j'ai l'intime conviction, monsieur Barouin, j'aime à penser en tout cas que tout ça était prévu depuis le début, cette retraite, tout ça là. Vous êtes un surdoué de la politique, la France chevillée au corps, placé dans tous les bons coups depuis 95. C'est pas un CV que vous avez, hein, mais c'est presque un organigramme de l'État. Entre nous, vous saviez très bien qu'en laissant le bébé à Laurent Wauquiez... Ah non, mais Laurent Wauquiez ! Oui, cette alarme souligne un moment important, ça faisait 199 jours que plus personne n'avait parlé de Laurent Wauquiez. Petit ange parti trop tôt. Bref, vous saviez très bien qu'en laissant les Républicains à Laurent Wauquiez, vous n'alliez pas pouvoir faire le coup de la Jospinade à Troyes bien longtemps. Hein, la droite allait avoir besoin d'un sauveur, d'un héros. C'est un avion ! Non ! C'est un oiseau non plus, mais c'est François Barouin ! Bref, tout ça pour vous dire qu'en ce moment, malgré tout, bah, j'aimerais pas trop être à votre place, monsieur Barouin. Je comprends exactement ce que vous vivez. Moi, pendant plus de 2 ans, j'ai attendu une femme qui était déjà prise et je ne pouvais pas en parler, évidemment. J'ai attendu, je me suis préparé patiemment jusqu'au jour où j'ai tenté ma chance. Alors la femme en question ne s'appelait pas France, mais vous avez compris la métaphore. Hein ? Moi, j'avais pris un énorme râteau, mais pour vous, monsieur Barouin, bah, je vous souhaite sincèrement très bonne chance. Merci.